Bon, on va faire ça rapidement. On m'a offert Pokémon Écarlate malgré que je n'avais pas grand chose à faire et que de base je m'amusais bien sur épée car j'avais un personnage trop pipou. Je collectionne les Pokémon de type mignon. Vous voulez un exemple? Non? Bah ta gueule! Parce que lui il s'appelle Plop, lui il s'appelle Tout Content et il est tout content. Elle c'est ma préférée, elle s'appelle Fra et elle marche comme ça. Oui c'est super long, c'est ce qui la rend super mignonne. Puis elle fait des bruits d'oiseaux. Du coup Pokémon Écarlate, ouais. Bon, je m'attarderai pas sur ce que j'en pense graphiquement. J'avais plutôt bon espoir quand je pouvais faire une queue de cheval. Et puis la désillusion elle est vite arrivée. Quand j'ai vu qu'on pouvait pas changer de vêtements, je me suis dit c'est une énorme blague. On va forcément débloquer cette fonction plus tard. Bah non, bah tu peux bien manger tes morts. Donc moi qui dans Pokémon Épée me prenais pour la maison du style, essayer de refaire un perso plus ou moins similaire. Dans la timeline ça fonctionnait, hein, à passe de collège à lycée. Comme dans la vraie vie, au collège t'es une chouin, au lycée tu l'es moins. C'est rigolo parce que ça rime. Bref. Mais du coup, ce qui m'a fait super péter un câble, c'est que vous vous souvenez de Fra, là. Bah là, elle est morte. Je peux pas juger ce que c'est un teint pâle sur un Pokémon. Mais quelque chose me dit que ça... C'est pas normal. Le seul truc qui a rattrapé un peu le jeu, là, c'est la phase où t'es avec tous les connards, là. Ça, c'était pas mal, ça. Surtout qu'il y avait lui. Il avait l'air tellement con. Je l'ai tout de suite aimé. Et vu que j'avais des instrumentales qui traînaient, bah je sais déjà qu'à partir du moment où j'ai prononcé le mot instrumental, tout le monde se doute de la suite. Et j'ai utilisé une instrumentale qui est, dissonant. Je sais même pas si ce mot existe vraiment. Ah oui, c'est tout de suite plus clair. Bref, c'est le genre de musique qui est tellement space que t'arrives à l'aimer. Avant j'étais belle, le monde aussi, et c'était bien. Moi j'aimais bien. Non mais même l'herbe me semble factice et c'est malsain. Regardez comme c'est moche. Et toi tu sembles perdre des couleurs. Est-ce que ça va bien? Est-ce que toi aussi dans ce monde-ci tu ne te sens pas bien? J'ai l'impression d'avoir fait un bond vers le passé. Ça tombe bien car justement c'est le thème abordé. Certains me demandent je peux faire des blagues avec plus connu que moi. Mais j'ai perdu le plus important, c'est-à-dire mon flot d'avant. Les yeux et cheveux argentés. Une tenue des plus saillantes à la limite du moulet. Même si dans ce monde je crois que je suis au lycée. Et ici tout paraît plus petit, ça manque un peu de géant. Pikachu! Mais ça crache, c'est bugué, même les rêves sont tachés, rien n'est réglé. Le légendaire ne sait même pas planer, disparaît et à chier. Les épaules volent, c'est pas tout, tout déconne, on s'en fout, manque d'y fait chier. Oh! Eh ben si c'est comme ça! Heureusement, y'a lui, il est un peu rond et un peu mignon. Il vous regarde avec ses gros yeux tout jaunes. Dans sa tête, il y a mille façons de vous tuer. Mais bref... Oh, il est trop kawaii. Il est un peu rond et un peu plus con. Il vous suit avec ses gros yeux tout jaunes. Dans sa tête, il y a plein de trucs à manger. Mais bref... Il est kawaii. Il sera le destructeur du monde. Il est si mignon qu'on lui pardonnerait tout. Je ne sais pas sortir ici de sa tête ronde. Ce serait de sa faute s'il manque toujours autant de géants. L'impression d'avoir fait un bond vers le passé. Ça tombe bien justement c'est le thème abordé. Certes maintenant je peux faire des regrets plus connus que moi. Mais j'ai perdu le plus important, c'est-à-dire mon flot d'avant. Et si tout avait été passé, que nous avions tous été suscités par les pouvoirs de tous ces mini-satans. Mais il m'a léché le pied.